Ah, il me laisse passer, t'as vu, il a fait des appels de phare. Merci mon gars. Alors j'ai installé un nouveau mode hier soir qui permet d'afficher les vraies publicités. Allez, je sors de chez DHL. C'est quoi cette bagnole là? Vous avez vu la bagnole? Les gars, on laisse passer s'il vous plaît, je peux passer ou pas? Man. Purée, avec tes cailloux là. Regarde cette vue, c'est la classe. C'est moi qui conduis hein. C'est super chouette l'Autriche, ils ont bien tout retravaillé quoi. Regarde les routes quoi. Ça fait vraiment réel. Dans le canal Les Fous du Volant, sur le Discord du Club des Cires, vous êtes nombreux à partager les photos de votre camion parce qu'on aime son camion, on aime le décorer. La Royal Truck Express avec la petite couronne officielle là, franchement ça rend super bien. Beaucoup de personnes qui partagent les infos aussi, hein. On est là pour s'entraider, pour aider les nouveaux joueurs aussi. Bonjour, je suis un viewer depuis un moment, j'ai décidé de rejoindre la folle aventure ETS 2 au vu de la communauté sympathique que vous avez. Bah bienvenue dis donc. The Punisher, oh là là, ça va punir. Bonjour, j'ai commencé ETS 2 en regardant vos lives et je joue RP en respectant le code de la route. Ah bah comme moi quoi. Attache ta ceinture Punisher, ça va livrer des colis. Et maintenant, dès que vous allez faire une livraison dans votre jeu, eh bien vous allez voir ici votre pseudo s'afficher avec le kilométrage que vous avez fait et votre contribution au sein de l'entreprise. Faut trouver du travail. On peut livrer des boîtes de thon quoi. Chiche, on va livrer des boîtes de thon de l'ouest de l'Autriche vers l'est de l'Autriche, hein, les deux extrémités quoi. Hein, de Innsbruck à Vienne. La remorque est prête, rejoignez l'aire de chargement. On y va. Je regarde sur mon GPS. À droite, puis encore à droite. Ok les gars? Waouh, c'est la classe ouais. Je vais mettre un petit coup d'essuie-glace quand même parce qu'il y a encore des petites gouttes de pluie. Tournez à droite. Essuie-glace. Voilà. Regarde. C'est beau, ouais. Clignotant. Ah, il me laisse passer, t'as vu, il a fait des appels de phare. Merci mon gars, super sympa. Eh, il est sympa, franchement, les Autrichiens, ils sont sympas, ouais. En Autriche, les gars, ils assurent. Hein. Petit appel de phare, là, pour me dire, ok, vas-y, quoi. Regarde, on le voit dans le rétro, la voiture rouge. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il peut se garer là? Ah ouais, ok. Tournez à droite. Ah, lui il tourne, c'est bon. Go. Waouh, c'est réaliste, ah ouais. Je l'adore ce camion. Alors j'ai installé un nouveau mode hier soir qui permet d'afficher les vraies publicités. Alors j'en ai pas encore vu. Préparez-vous à tourner à gauche. Mais on va voir des vraies pubs en fait. Il y a 200 panneaux de pubs qui ont été modifiés. Si vous voyez des pubs, vous me dites hein. Waouh, c'est beau ouais. C'est quoi le château qui est... Hop. Tu passes. Franchement, tu passes ou je passe? C'est quoi le château qui est là-haut, les gars? Je connais pas du tout. Il est beau, ouais. Ah ouais, c'est très sympa. Très très sympa. Allez, tout droit. Je vois pas de panneau publicitaire pour l'instant. Non, ça va, il y avait un CD de passage, hein, ok. Tournez ah, lui, il avait un CD de passage. Hein. Je pensais que... Hop. Je pensais que j'avais fait une bêtise. C'est le château d'Ambrasse, c'est vrai? Vous êtes arrivé. Il a l'air d'être vachement beau, ce château, dis donc, le château d'Ambrasse. Le château d'Ambrasse, c'est pas le château où on se fait des bisous? Ouais, c'est pour rire, hein, bien sûr. C'est pour rire.
Ah, il y a des pubs là-bas, j'avais pas vu. Alors, ce qui est génial, les gars, c'est que c'est des pubs réalistes, mais en fonction des pays où tu te trouves. Par exemple, ici, tu verras des panneaux publicitaires autrichiens. De l'Autriche. Emblématique de l'Autriche. C'est génial, ouais. Publicité pour le café, ok. Ouais, sympa. C'est écrit en autrichien. Wouah, c'est beau. Oh, je veux habiter en Autriche. Y'a pas des Autrichiens ou des Autrichiennes qui nous regardent, les gars? J'ai envie d'habiter en Autriche tout d'un coup. Franchement, ça me plaît beaucoup déjà. Ça a l'air sympa, ça doit être beau de voir ça, ouais. J'ai jamais vu les montagnes en vrai comme ça. C'est les Alpes, hein. Les gars, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remonter la remorque? Comment ça? Oh là, comme ça c'est bien. Allez, on se fait une belle livraison là. Il faut que les Autrichiens soient fiers de nous. Il faut que les Autrichiens se disent « Ok, les chauffeurs français, ils sont bons quoi. J'ai une plaque française, il faut vraiment que je leur envoie du lourd. Un message qu'en France, on peut nous faire confiance au niveau de la livraison. La marchandise, on l'amène correctement. » Il fait beau en plus, franchement, c'est super. Allez, je sors de chez DHL. C'est quoi cette bagnole, là? Vous avez vu la bagnole? C'était où, moi? À gauche, hein. Ça soit de la circulation. Après cette bagnole, j'y vais. C'est bon, go. Tournez à gauche. Oui, maman. C'est ma mère hein, qui a fait la voix du GPS, les gars. On est d'accord, hein, n'hésitez pas, si jamais il y a un problème, vous me dites. Hein. Si vous constatez qu'il y a un problème avec les nouvelles suspensions, là, vous me dites. On roule doucement, hein, on est en Autriche, après tout, hein, on visite. Hein. Sympa, les apparts. Au rond-point, prenez la première sortie. Oui, maman. Y'a personne à gauche. Sortez maintenant. T'as vu, j'ai mis mon clignotant, il a reçu l'information, il passe. C'est bien fait, ouais. Il attendait, il savait pas si j'allais sortir ou pas. Vas-y, prends ton aise, toi. Vas-y. Les bus, parfois, ils sont un peu... Tournez à droite. Parfois, ils exagèrent. C'est beau, regarde les Alpes. C'est des Alpes, ça. Oh, waouh. C'est majestueux, regarde, avec le ciel et tout. Waouh. Ah ouais, les gars. Regarde cette vue, c'est la classe. C'est moi qui conduis, hein. Je suis en Autriche, là. Les bus, parfois, ils sont dangereux, ouais. Carburant, c'est ok, ouais, ça va. Je dois pas en mettre, non. C'est beau, hein. Je vais quitter Innsbruck. Ça y est, on sort de Innsbruck. Ouais. S'il veut bien me laisser passer, là. Vas-y, fonce. T'as vu, ils ont refait les panneaux avec les nouvelles polices de caractère dynamique. C'est-à-dire que maintenant, les noms sur les panneaux, c'est plus des textures pré-écrites, tu sais, sous Photoshop. C'est des textes dynamiques. C'est-à-dire qu'ils sont plus nets en fonction de la distance. Tu sais, quand c'est en petit, ça reste net. Quand c'est grand, ça reste net. Ça floute pas. Et sur les panneaux, maintenant, t'as le kilométrage. Genre, Berlin, si c'est à 800 km, ce sera écrit, quoi. Ça, c'est vraiment génial pour apporter encore une petite touche de réalisme. Tu vois, les panneaux sont beaucoup plus nets, en fait. C'est... avec la mise à jour...
Je vais rester là, je peux rester là, hein. Ouais. Regarde ce panneau, tu vois. Même quand c'est écrit en petit, tu vois quoi, regarde. 331 km, 206 km de Munich. Comme ça, tu connais les distances et tout, c'est vraiment génial. Sympa. Franchement, ils sont sympas. J'ai jamais vu des automobilistes et des chauffeurs aussi sympas. La police. Qu'en Autriche. Franchement, en Autriche, ils sont très sympas. On sent que l'ambiance, c'est l'air de la montagne, ça. On sent que l'ambiance, elle est détendue. Les gens, ils ont envie de rouler doucement. L'autre, il me laisse passer et tout. Franchement, ça fait plaisir. Regarde les paysages. C'est ça aussi, hein. Les Autrichiens, ils ont le smile, mais c'est normal, hein, regarde. Franchement, moi aussi, si j'habitais là, j'aurais les smiles. Hein. C'est beau, hein. Regarde sur le côté, là. C'est limité à combien? Ah, 80 quand même, je veux pas exagérer, je vais rouler à 80. Je vais mettre mon régulateur de vitesse. Par contre, j'ai pas vu s'ils avaient ajouté le régulateur adaptatif. Tu sais, là, quand je mets mon régulateur, regarde sur mon tableau de bord, tu vois. Je le bloque à 80, donc je lâche les pédales d'accélération, il va toujours rouler à 80. Mais s'il y a une voiture qui freine devant, je sais pas s'ils ont déjà activé le... C'est activé, ça? Non, ils ont pas mis encore ça. Bah, disons que c'est... Oui, c'est une facilité, hein, bien sûr. C'est un confort, hein. On va pas se le cacher. C'est un confort. Mais si ça peut éviter des accidents... Purée, les panneaux, ils font beaucoup plus réalistes, en fait. Ça, c'est flagrant. Vous avez constaté ça, en fait? Les panneaux, beaucoup plus réalistes qu'avant. Plus lisibles. Plus réels, quoi. C'est super chouette l'Autriche, ils ont bien tout retravaillé quoi. Regarde les routes quoi. Ça fait vraiment réel. Regarde. Oh, oh, oh les gars. Oh mais cette vue quoi. Dire c'est moi qui conduis là, hein. Je suis en Autriche. Hein. Regarde le petit village à droite là. Wow. Ça me fait penser à un dessin animé, ça. Heidi. 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 Nanananananana. Heidi. Heidi. Nanananananana. Par contre, si t'habites là, au bord de l'autoroute, franchement, ça craint un peu, non? C'est beau, ah ouais, regarde. Wow, le beau gosse. C'est quand même un sacré camion, hein. Je te l'ai entièrement customisé, hein. C'est vraiment sublime, quoi. C'est très dangereux. Oh, purée, la police. Purée, t'as vu la police? S'il m'avait surpris en train de regarder comme ça mon camion de l'extérieur, franchement, je me serais pris un prosse-balle, là. C'est interdit, ce que je fais. Surtout avec le camion citerne qui était juste devant, franchement, je suis un danger public. Hein. C'est très dangereux. Hein. Je mets en danger la vie d'autrui, là. Tu le sais, hein, je peux me faire arrêter. Hein. Direct, hein, casse-prison, direct. Ça, tu vas direct en prison. C'est plus qu'une amende. Plus. Je vais mettre un peu d'essence, là, non? Un peu de gasoil, là. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas encore fait que sur les stations, ce soit dynamique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme les panneaux sur les autoroutes, maintenant, c'est dynamique. C'est des polices de caractère dynamique. C'est pas des textures préécrites. Et je pense que pour l'instant, le prix dans les stations essence, c'est encore des textures. Et il me semble qu'ils vont bientôt mettre à jour et que ça va... être le même fonctionnement que les panneaux
ce sera dynamique. C'est-à-dire que le mode que j'ai installé ici, qui permet d'avoir les vrais prix du carburant, chaque mardi, les prix du carburant sont téléchargés dans mon jeu, mais c'est pas indiqué là. On peut regarder d'ailleurs, hein, tu vois ici, diesel, il met quoi, 2,02. Il n'y a pas d'autres prix, on voit pas les autres prix, non? On va aller à la pompe, regarde. Et ce sera... On va voir le prix ici, on va se garer là, ce sera combien? Le vrai prix, c'est quand tu te mets dessus, quoi. Et ça va être bien quand tu vas passer à côté de la pompe et tu verras le vrai prix. Ce sera génial aussi, ça. Voilà. Tu vois, 2,06. C'est cher, 2,06? Bah ouais. Bah c'est normal avec ce qui se passe actuellement, tu le sais. Et la remorque Ducati, c'est incroyable, les gars. Ducati, tu te souviens? Mais si, c'est une marque célèbre, ça, Ducati. Transporteur incroyable. Super chouette. Ça fait plaisir. Bah, c'est les prix, quoi, ouais. C'est les prix. Je devais dormir ou pas? Non, ça va. Je suis pas fatigué pour l'instant. Ça, les gars, on n'y peut rien. Hein. C'est le contexte actuel. Le contexte actuel est reflété dans le jeu, hein. Bah ouais, les gars, ça, malheureusement, on peut pas y réchapper, quoi. Bon, ça, c'est si t'as installé le mode, hein, seulement. Si tu joues qu'avec le jeu de base, t'as pas le problème, hein. Mais là, si les prix des carburants montent, bah ça va monter dans le jeu aussi. Si ça descend, ça descendra dans le jeu. Mais c'est une fois par semaine, hein, la mise à jour du prix des carburants. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Il y a du monde. DHL, collègue, DHL. Elle va laisser passer. Elle, ouais, elle est sympa, elle. DHL, DHL. Oh, les bouchons. Oh. Non. Il y a un feu rouge. Les gars, on laisse passer, s'il vous plaît. Je peux passer ou pas? Man. Ah, purée, avec tes cailloux là. Y'a personne de sympa. Mitsubishi, laisse passer. Espèce de traître. Mercedes. Ah, Renault. Ouais. Renault, je t'adore. C'est super Renault, franchement. Super sympa, les mecs qui roulent en Renault sont super sympas. Renault, pouce bleu. Les gars, pouce bleu pour Renault. J'étais bloqué là pendant toute la journée là. Et qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi ça bouchonne comme ça? Bah ouais, ça, c'est le coup classique ça. Ah ouais, ça c'est le coup classique les gars ça. Ah ouais. Ah, quand tu dois rentrer comme ça, ouais, tu sors de la station, ouais, ça c'est... Les vacanciers, les gars, avec la caravane, là. Ils sont en vacances, hein. Moi, je travaille. Fou purée. Pardon, monsieur. J'avais pas vu. Ça va. J'avais pas vu. Chauffeur français. Il a vu ma plaque française, il a rien dit, en fait. Il a préféré se taire, et je pense qu'il a bien fait. Ce qui est bien, quand t'as une plaque française comme ça et que tu vas en Autriche, les gens regardent, ils jettent un coup d'œil comme ça, ils lèvent un peu le menton, histoire de faire un peu le... Mais après, ils disent rien. Ils savent que... On s'est roulé. On maîtrise le véhicule, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là ? Collègues en difficulté? Ah, il change ton pneu, t'as vu? Il a changé la roue. Ça va? C'est la galère, ça, ouais, c'est la galère. Ça, sur la route, t'es à l'abri de rien du tout, il peut tout arriver, hein. C'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, les travaux. Hein. Il y a du monde, hein, franchement, c'est super réaliste.
J'aimerais vraiment que je roule en Autriche. Tenez la droite. Purée, je sens mon volant qui tremble un petit peu avec le moteur. C'est tellement bien fait. Et ils ont retravaillé le retour de force. Il est plus précis. Je le sens tout de suite, en fait, qu'il y a une différence. Avec la mise à jour 1.44, ils ont retravaillé... C'est écrit dans le patch note, hein, ils ont retravaillé le moteur de retour de force, c'est-à-dire le ressenti des volants, ça se sent, il y a une plus grande précision. J'ai l'impression que j'ai un peu plus d'informations de la route. Des micro-vibrations, tu sais, des petits trucs en plus, quoi. Dites donc, il roule pas un peu plus, un peu vite, lui? Il roulait à combien? À 120, non? Enfin, 120, ouais, c'est limité à 120 ici, je suppose, pour les voitures. Parce que tu peux choisir le GPS, ouais c'est ça, 120. Moi j'ai mis les limitations camion, tu sais, sur le GPS. Mais tu peux mettre les limitations voiture si jamais tu veux, quoi. C'est toi qui choisis, ça, c'est dans les options, hein. Dans jouabilité. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui maman. C'est limité à 80. Ah bah on roule à 82. Ah, je vais ouvrir le carreau. Ça sent un peu, non? Ça sent le renfermé. Tu entends? Le vent. Dans tes oreilles. Tu sens un peu le vent dans tes cheveux, un peu? Moi, je le sens. Pas dans mes cheveux, mais je le sens quand même. Recalcule. C'est pas mal, ouais. C'est bien fait, hein. On est encore loin? Encore 280 km. Franchement, il est pas mal ce Route Advisor là. C'est Sils Route Advisor. Si j'avais su, je l'aurais installé avant. Très pratique. Franchement. T'as juste les infos dont t'as besoin, quoi. T'appuies sur F3, tu enlèves. Tu vois, F3, ça s'affiche. F3, tu enlèves le GPS si t'as déjà un GPS. F3 encore, tu enlèves la barre. F3, tu remets tout. Franchement, c'est cool. Il est bien. Ouais, ça rajoute les mini-rétro aussi. Alors moi, j'active pas les mini-rétro. Parce que je roule avec les rétros du camion. Tu vois, je tourne ma tête comme ça, en mode réel. Parce que j'aime bien que ce soit très réaliste quand je conduis. J'aime bien l'immersion, en fait, du jeu. Je joue pour le côté immersif. Donc c'est des options que j'affiche que lorsque j'en ai vraiment besoin, quoi. Pas tout le temps. J'aime bien que mon écran soit bien dégagé. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Ah, il y a un avion là-haut. C'est quoi, c'est un avion? Un hélicoptère? Ah, c'est un avion de touriste! Wouah! Vous le voyez? Si je klaxonne, il va pas m'entendre. Tu crois qu'il peut m'entendre de là-haut? Je crois pas, non? Il y a combien là? 300 mètres, non? C'est beau, regarde! Hey oh! Hey oh! Ah, il me voit pas! Il m'a pas vu! T'as vu, regarde les nuages! Ils deviennent de plus en plus chargés, de plus en plus gris. Il va pleuvoir, je suis sûr. Attention, c'est limité à 50 là, qu'est-ce qui se passe? Je dois mettre mes warnings là? Non, hein. Je crois pas, hein. Si? Bon, je les mets, on sait jamais. Hein. Pour montrer que c'est dangereux, quoi. Wouah, d'accord. C'est les travaux. Ah, derrière, il les a mis, ces warnings.
Si, le gars derrière et les amis, je crois qu'il faut les mettre. T'as vu la bagnole là? La voiture blanche. Je joue en 1.44, ouais. Nouvelle mise à jour. C'est beau, ouais. Oh, c'est la classe, ouais. Allez, on enlève les warnings. Voilà. Ouais, attention si je me prends un cône, là. Un plot. Vous avez vu le plot extraterrestre, là? Il a pas bougé, hein. Vous l'avez vu sur YouTube? Ou sur TikTok? Il a pas bougé, quoi. C'était impressionnant. Je m'y attendais pas. Mais moi, j'aime bien regarder mon camion. Je trouve que regarder son camion, ça fait partie de la beauté du jeu, quoi. Ça fait partie du côté cool. Ah ouais, les panneaux, ils sont tellement, tellement mieux, les panneaux, quoi. Beaucoup plus réalistes. Tu vois, moi, j'aime bien mettre mon camion comme ça, regarder, parce qu'il est super beau, quoi. Il est bien détaillé, tu vois, la machine, quoi. On voit que c'est un monstre. On voit que c'est une beauté, quoi. Mais là, si jamais il y a un problème, tu vois, c'est l'accident garanti. Mais après, je suis un chauffeur d'expérience aussi, donc bon. Normalement, il y a très peu de chances qu'il m'arrive des bricoles. C'est rare quand même, hein, ça on peut le dire. Hein. Je sais rouler, quoi. Il y a ça aussi. Hein. Donc, bon. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est rare qu'il y ait des problèmes quand même. Y a pas, on n'a pas souvent des problèmes, j'ai envie de dire. Là, je suis en solo, là. Mais tu peux jouer en convoi, bien sûr. Tu peux jouer en convoi jusqu'à 8 joueurs. Attention, avec la version... respecter la limitation de vitesse. Avec la version de base du jeu. Jusqu'à 8 joueurs. C'est sympa, hein. Attends, je ralentis un peu parce que maman est pas contente. Non, on a roulé propre, là. Franchement, faut le dire. Hey, regarde le train qui passe au-dessus, là. T'as vu? Non, ça roule propre, là. On est content. Combien de kilomètres? 158. Ouais, le SILS route advisor, là, je le valide. C'est bon, il est rentré dans les modes. Il faudra que j'envoie la liste des modes que j'ai mis à jour à Ironfly. Comme ça, s'il a un peu de temps, il mettra à jour mes petites vignettes. Parce qu'il y en a que j'utilise plus. Mais il y a deux nouveaux modes que j'utilise. Le mode pour afficher les pubs. Mais c'est pas... J'utilise pas celui qui est sur le site. Donc j'enverrai le lien. Le temps que ça se mette à jour, les gars. J'en utilise un autre, moi. Que j'ai trouvé plus sympa, mais bon. Ah bah, il pleut. Je l'avais dit qu'il allait pleuvoir, ouais. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Je l'avais dit, hein. Ah bah voilà, regarde comment ça change, regarde. C'est bien fait, ouais. Là, tiens, il pleut, je vais me mettre à... Je vais rouler à 65, ok? Restons prudents. Et en plus, le temps, tu vois, il y a de la brume. Il y a de l'orage. Écoute l'orage. C'est vachement beau, ouais. Quelle heure est-il? Ah, 20h37, ok. Regarde les lumières qui commencent à... C'est beau, ouais, regarde. Avec les phares et tout, c'est sympa. Ouais, il faut que je mette les feux. Alors. C'est comme ça, les gars. Attends, je vais devoir tourner là. Faut que je roule doucement. C'est comme ça? Ouais, c'est bon là, c'est ça comme ça.
Mais pas les grands feux, hein. Regarde, si je mets les grands feux, ça fait comme ça, regarde. Mais là, c'est trop, là. Là, ça va trop s'exagérer, je crois. Wow, purée, c'est trop bien, quoi. Mais ça, oui, tu vois, maintenant, ils ont... on dirait qu'il y a un stade d'éclairage supplémentaire, non? Oh, purée! Heureusement qu'ils sont sympas. Franchement, j'ai déconné là. Non, mais j'ai déconné, franchement. Les gars, j'ai merdé là. Hé, hey, t'as vu la pub? C'est une pub réelle, ça. Ensuite, j'ai pas vu, c'était quoi? Canoë et kayak? Attends, moi je dois prendre. Je tourne ici, hein. Tenez, c'est la les droite, nouvelles publicités. Sortez à droite. Chaque pays a vraiment sa pub. C'est un petit mode que j'ai mis hier. C'est comme si t'étais vraiment en Autriche, quoi. Regarde. Tu connais cette pub? Qui a déjà été en Autriche? C'est les mêmes pubs? C'est écrit en autrichien, hein. L'autrichien, c'est de l'allemand? Non. Ça ressemble un peu. Allemand, hein. C'est des yaourts aux myrtilles, ça. Et du chocolat Lena. Je connais pas cette marque. La marque Lena. Vous connaissez la marque Lena? Je connais pas. Ah ouais, vous connaissez? À tourner à gauche. Tournez à gauche. J'adore rouler, moi. Je sais pas, on dirait que je suis fait pour ça, quoi. On dirait que je suis chauffé pour être chauffeur virtuel, quoi. J'adore rouler, je me fais vraiment plaisir, quoi. Je roule avec plaisir. Je suis pas un vrai chauffeur, hein. J'étais développeur de jeux vidéo, rien à voir. Mais quand même, ça me fait plaisir, quoi. Ça reste un jeu, après, hein. Préparez-vous à tourner à gauche. C'est là. On arrive avec les boîtes de thon. C'est terminé. On arrive! On arrive chez Lidl avec les boîtes de thon! Allez, on se gare ici, nickel. Ouais! Ouais! Oui, 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 oui! Purée! GG! Excellent, messieurs, dames. Je viens de livrer des conserves de thon de Innsbruck à Vienne, en Autriche. On a longé la frontière nord de l'Autriche. On avait une belle vue sur les Alpes. J'ai parcouru 480 km, donc les 480 km qui vont s'ajouter sur le Discord de l'entreprise, la Royal Truck Express, la RTX. On va cumuler les kilomètres. Et ensemble, on est en train de battre des records. On monte dans un classement mondial. C'est pas mal, hein, franchement.